Et toi, Delphine, t'as rien à dire. Ton grand-père part se balader pendant qu'on enterre ton père et tu trouves ça normal. Peut-être que toi aussi, t'as une jolie explication à la con à me donner. Je pense que tu ferais mieux de fermer ta grande gueule et nous foutre la paix. Moi, je crois que Frédéric a un peu perdu la tête à cause du chagrin. On peut comprendre. Il s'est conduit comme un salaud. Un point, c'est tout. Est-ce que tu as pensé à nous? Est-ce que tu as pensé à ce que les gens allaient dire? C'est tous des fous dans cette famille. Ils enterrent leur fils, ils se foutent sur la gueule et après font comme si tout allait bien. Il faut pas juger Frédéric. Il a beaucoup souffert dans la vie. Ne plus jamais entendre cette histoire. Jamais! Il faudra bien que tu t'expliques. Ils vont pas tous continuer à faire comme si de rien n'était. Je crois que je dois vous dire un mot. Je suis pas venu à l'enterrement de Charles parce qu'il m'a demandé de ne pas venir. Papa, tu dis n'importe quoi, tu es saoul. Je suis désolé de devoir le dire devant Delphine, mais mon fils Charles était un salaud. Il savait quelque chose que je vous ai jamais dit. Il savait que j'ai pas été interné à Schirmeck pour mes opinions politiques. Bon, c'est sans doute un peu dur à avaler pour elle, mais elle a l'âge d'apprendre que la vie n'est pas un conte de fées, non? Santé. 40 ans de mensonges, je t'appelle ça comment? Je sais que je suis pas le père que tu voudrais avoir, mais quoi que tu en penses, tu es mon fils et je t'aime. Vous savez ce qui m'a fait tenir? Je me suis dit, si jamais je sors vivant de cet endroit, je planterai un arbre. Je trouve tout ce fatras psychologique tellement... Putain! Bon, on a des problèmes avec son papa, sa maman, qui n'en a pas, hein?